Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, content ensemble avec nous vidéo ça. Moi, c'est Stéphanie Menadi Kitchen, comme nous connaissons ça déjà. Je dis à nous ensemble pour nous faire un yuca mash. Yuca qui ça veut dire c'est manioc. Manioc, même j'accueille comme si on fait mash potato qui c'est avec pommes de terre, on fait mash avec pommes de terre bouillie. OK, so on peut faire la même chose, hein, on saisit, on peut faire la même chose avec manioc. Manioc là qui c'est yuca. So, c'est toujours la même formule, même step yo presque, mais la seule différence c'est que on a fait avec manioc instead of the potato. Ça veut dire que c'est pas pomme de terre, c'est manioc qu'on a fait, mais c'est toujours le même ingrédient yo, tout reste bagay. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de lait. On a besoin heavy whipped cream. Half and a half sour cream qui c'est crème fraîche, salt, pepper, butter, et puis ça, of course, pour nous capable de marcher. Ou besoin pour ça bouillir, on va le caler, on va laver, on va mettre le bouillir avec du sel là-dedans. Mais au besoin pour les bouillir pour le mou leur peser la fin bouillir leur peser faut qu'elle ouvert faut qu'elle les mou qui est vraiment cuit parce que même là t'as fait une pomme de terre tout faut les bouillir pour vite mais moi aller même la prendre plus tard pour qu'à bon résultat faut bien bouillir craser et puis quand là notre fin nous va mettre beurre va mettre tout ça on a marché so manioc let heavy cream, whipped cream, sour cream, salt, pepper, butter, boom. Ok, so que ça bouille vite, so on est obligé. Songez moi avec un fil dans mes temps, ok? So le fil bouille, n'a pas été le fil. Pas j'ai oublié. So. Mushroom sauce, je vais besoin de mushroom. Je vais deux, mais en plus, je vais faire seul. Besoin de mushroom. Et puis, heavy cream, fresh thyme, thym, lye, parmesan cheese, butter, oil. Moi-même, je vais mettre un gravy master là-dedans. Et puis sous bien du vin blanc, pour qu'on ajoute, on tire du vin. Ok, quand on a commencé avec mushroom sauce là, nous mettons un poêlon bien chaud au chaud. Ensuite, nous ajoutons l'huile. Nous connaissons, moi j'aime mixer l'huile avec beurre, le m'a fait sauter, le m'a fait méthode qui relève sauter. Sauter onions, vegetables. Tout bagage ça yo moi toujours mélanger yo pour empêcher que li brûler. Quand y a moi ajouter l'huile et puis moi ajouter un petit calbeur
OK, qui te ka en moitié once. Quand y a m'a quitté et beurre fond un tout petit peu et puis quand y a moi pral ajouter mushroom là. Pour nous ka pour nous capable commencer en mushroom sauce là. Ou elle so beurre fin fond et puis maintenant moi ajouter mushroom là. En mushroom nan li pa besoin comme si pou le fri, li pa comme si fri non sauté pou le prendre couleur, li pa obligé comme si pou li cuite trop ou seulement besoin pou li gagnon golden brown color pou li vraiment caramelize et pou ka tout profiter en mettre seasoning tant que salt and pepper la dani. OK. Du moment que un mushroom nan fin bien caramelize, donc pour le cuit, pour le bah une belle couleur, nous capable ajouter white wine pour nous ka deglaze de pan. OK, qu'on y a m'a pas ajouté demi tiquille sel. Ensuite, m'a pral ajouter demi tiquille pepper qui c'est poivre noir. Le moins dit deglaze de pan, that's mean que moi ka fait avec de l'eau mais le plus souvent c'est avec du vin white wine, c'est du vin blanc. OK, cooking white wine, c'est pas comme si du vin normal nous mettez sur tabac ça on boit, but qui c'est white cooking wine. OK, pour nous ka deglaze de pan, but du vin moi quand fait manger en fini moi ka utiliser un petit de l'eau tout petit. OK, pour moi faire ça il pas de problème si toutefois que ou même tout ou pas gagner du vin en blanc que vous faites manger, vous pouvez toujours utiliser un petit de l'eau tout petit. Vous pouvez constater que ma chambre n'a pas une belle couleur. Quand je n'ai pas ajouté un petit garlic, garlic qui est l'ail. Ok, si vous n'avez pas gagné comme ça, vous pouvez piler un deux graines dans l'ail pour mettre la dernière. Ok? Oui, nous mettez l'ail, nous mettez sel, nous mettez poivre, ça li vraiment goût. Quand ça son mari qui rele gravy master, ça veut dire que li même li tout fait avec stock. OK, parce que normalement nous ta supposé utiliser vegetable stock pour nous mettre la dernière, mais gravy master li même li tout gen tout ingrédient ça on m'a dit en tant que white cooking wine en vegetable stock li tout gen la dedans. Nous ka facile pour joindre nan Walmart ou bien pa quoi Publix gen but nan Caribbean market yo ou ap joindre gravy master. Ou pa obligé mettre en pile, li vraiment dark, c'est un petit cal, un petit demi qui est by sauce là en belle couleur brown. OK? Konya pour cream là moi ajouter heavy cream. So fois ça m'a mesuré pour nous mais même quand ça m'a fait tellement bien, mais m'a expliqué nous quand même ça li pas plus que 1 ounce. OK? So mettez heavy cream là la dernière. So moi choum là moi sauter les mettez garlic qui c'est l'ail, mettez sel, mettez poivre noir et ensuite moi mettez un tiquier demi tiquier gravy master et après ça moi ajouter 1 ounce de parmesan cheese. OK, mettez 1 ounce heavy cream, voilà. Quand y a nous mettez parmesan cheese dans là, OK, nous boisser les parmesan cheese dans lui-même, la fait les thick, la fait les vraiment collé, la fait sauce lankembe. OK, c'est une sauce en mushroom sauce, une sauce qui aller en pile avec steak. OK, le plus souvent c'est une sauce qui aller very well with steak. So c'est ça qui fait que aujourd'hui, on choisit partager avec nous yon mash ou yuca. OK, même j'ai gagne mash potato. It is really good. I love it. And then n'a fait sauté broccoli et puis n'a fait là avec ribeye steak. Ensuite mushroom sauce for the gravy. Sound good, right? Sound good. Sound delicious. So bon fonti clean là parce que moi mais clean as I go.
Alors, on va pas me faire manger casse ou casse. OK, pour mayoc là, on nous checker li là de l'autre côté. Moi te dis nous que pour qu'on est li bon, car c'est le fouiller en fourchette là-dedans ou après fourchette là ni même n'est pas difficile pour rentrer là-dedans, ou après vraiment voilà, moi la fourchette là li ouvre, ça veut dire que li vraiment bon. Du moment que li plus cuit, li plus facile toute la tâche parce que son mâchoire à faire, on pas obligé après dit, vous comprenez? So quand il y a là, on va commencer steak là, sauce là est en bon. Mayoc là est en fine bouillie pour on faire mash là. So là, on a commencé avec the ribeye steak. Donc on est un peu là ici par un steak, mais quand ça tout wap surprise quand il y a ici un qui aime steak et qui même aime steak yo medium ou medium rare. Bon, pas facile pour un peu monde aimer medium rare, but quand plein monde qui mange steak yo medium comme c'est pour vraiment juicy, vraiment so you know. Il y a un petit sang là-dedans. Non, pas petit sang, comme si c'est juste un petit jus. So, moi, mes bye steak, mes flavors, je fais la caille. Vous comprenez? Moi, mes petits joyons, l'ail, rosemary, thyme. Ouf. Un peu steak en vie. Steak, pas besoin de laver pour chauder, s'il vous plaît. Ok? Parce que sous chauder, c'est comme si vous ne pas contre steak. Parce que je me suis bien seulement et je vais commencer à piquer. Par contre, je vais faire le premier, mais je ne vais pas piquer pour me piquer medium rare ou bien medium. Soit chauder ou je vais pas me medium rare encore. Ok? Il n'y a pas besoin de citron, il n'y a pas besoin de ici, il n'y a pas besoin de l'eau chauder comme si avec le poivre, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de citron si je veux. Si je veux, si bon, il n'y a pas nécessaire pour me mettre en bas de l'eau du tout. So, j'aime de la même manière parce que je vais ou après je vais mettre un peu chaud, mettre un petit beurre, mettre un petit huile et ensuite moi je vais mettre un peu de oignon. Ensuite, je vais mettre un petit peu de sucre, un peu de salt and pepper, un peu de saisonnement et je vais mettre rosemary. Rosemary va le faire, c'est tellement goût et il va le sentir que c'est vraiment sorti bon. Ok. Donc, je fais un méthode là pour le pain serré, parce que normalement, on va faire du pain serré. Mais si on va dire verre, on va faire du pain serré. Pain serré. Donc, on met ça dans le culinaire, puis je le pain serré. Ça veut dire que ce n'est pas frit ou frit. Ça veut dire que ce n'est pas un deep fry. Deep fry, c'est le frit ou frit. Damn! Wow! Mais là, mettons un petit cal huile, un petit cal beurre, ça, et mettons ça, les gens du jeu. Ok? My. So, wouh! Ça te mange comme ça, ça veut dire. I'm gonna make my own. I love it, it smells so good. So, kounyala, steak nous, ça, c'est presque bon. Mushroom sauce, nous, ready to go. Kounyala, nous te gagne mayoc là qui était déjà bouilli pour y'a nous pas faire manche là. So c'est pas ça qui est plus important que moi-même ça va gagner longtemps depuis que moi découvri et que au café on marche avec mayoc. Je ne savais pas. Mais moi te vais partager les ensemble avec nous, li facile à faire, c'est toujours même processus, même step yo, c'est seulement ou pas utiliser pomme de terre ou utiliser en mayoc. Et mayoc là même li encore pigou. Wait for it, so m'ta bien remet partager ensemble avec nous pour manger ensemble, mais malheureusement nous loin mais m'a manger pour nous. So en parlant de ça, moi je souhaitais que nous tout en forme et moi connais aller à commencer pas trop longtemps là et moi souhaite nous tout bon bagaille pas vrai. So si nous parlons souvent c'est pas moi nous si genre occupé avec l'autre bagaille mais nous là de temps en temps chaque m'get ce temps m'a toujours pour toute vidéo avec nous pour moi partager comme d'habitude. So qui ça moi fait là moi ajouter heavy cream, moi ajouter about 1 ounce of a heavy cream, ça c'est half and half. So, je pas vraiment connaître comment je dis en créole, mais je connais half and half. Voilà. Il écrit half and half, ça veut dire moitié. So, je ne sais pas. Et puis, quand il y a là, nous ajouter un lait. Parce que soit faire un mash ou besoin de tout ça, ça va être comme même c'est crème fraîche, il y a les en français. So, I'm not sure, but I think so, yeah. So, ça va comme c'est crème fraîche. So, moi, j'ai ajouté half and half, heavy cream, lait. Et puis, moi, j'ai ajouté
sour cream qui c'est crème fraîche. So, ça c'est un mash pas fait, OK, j'aimerais te dire nous. Ça m'a utilisé sur so, bah yo vente sur Amazon, m'a quitté le lien pour nous en bas vidéo. So, si nous besoin acheter lui, nous ca toujours acheter sur Amazon. OK. So, il vraiment aidé le à faire mash. So, des fois nous qu'on utilise un whisk. But ça les pensé en sorte de whisk mais ni design spécialement pour leur faire mash potato or yuca mash or any type of mash. Okay, so ou ka wè comment li getan bella, comment wow. Qui a moins saisonné avec un pepper. M'pa mete sel parce que me saute goûter le pourquoi parce que l'aime t'a mettre en mayo clambouille, dès que t'a mettre un bon petit coup sel, so li getan gen sel là-dedans. So m'a peut goûter encore pour m'ga double check. It's perfect. So now m'a pas ajouté cheese. Un cheese moi ajouté hein. C'est un cheese normal, pas cheese jaune, pas cheese jaune. OK, pas acheter yellow cheese, acheter white cheese. OK, ou ka acheter Kraft ou whatever white cheese que vous voulez, parmesan. It's okay. OK, mais pas acheter the yellow one. On sa ki jaune là. OK. So, si vous voulez pour mash potato jaune, pas me passer blanc puis bon. Certainement moi quand t'as rejoint nous, nous va connaître comment nous t'es manqué moins. Kounya en a plein. Mes amis, regardez comment les belles Simone. Est-ce que tu as imaginé ça? Est-ce que tu as imaginé ou qu'a fait un mash avec manioc? Wow. Regardez. Bien collé, bien cool. Ça va comme dans le mettre là-dedans, c'est ça. Nous te mettez seulement 2 cuillères ça va comme là qui c'est crème fraîche. OK? So, des fois nous ca changer bouche nous, essayer l'autre bagaille, essayer l'autre culture. Nous va jamais connaître ça nous ca aimer, pas vrai? So, m'a garnish là avec un petit en chop parsley. All right? So, les est bon. Qu'on y là nous pour aller dans steak. Ça c'est un medium rare. I don't want this, but my friend actually want it like that. he like it bloody. Me, I like it medium well. Oh, somebody gonna eat good. So, te fait brocoli. So, nous connais sur channel là, moi te fait un vidéo sur comment ka faire brocoli. So, si nous besoin regarder vidéo, on ka toujours quitter le lien pour nous en bas vidéo ça qui t'a mené nous sur la vidéo que nous avons déjà sous brocoli si ça intéresse nous. So, ça c'est un kamash sauté brocoli with garlic et puis nous avons ribeye steak. Oh, what a nice dinner. What about the gravy? Mushroom sauce. OK, m'te content avec nous, ça c'est produit final là. Moi j'espère que nous content, on va descendre un petit du vin là. A steak moi pas dans medium well il pas gain sans là. So bye bye, moi t'es content avec nous, love you guys.